Son histoire d'amour avec Thierry Pétieux, CST du passé. Désormais, Ingrid Chauvin est épanouie, en couple avec son nouveau compagnon, Philippe Varin. Après sa séparation avec le père de son enfant, l'actrice présente dans la série Demain nous appartient a retrouvé l'amour dans les bras de ce photographe en 2021. Pourtant, Ingrid Chauvin avait fait une croix sur le couple, bien décidée à se satisfaire de son statut de maman solo. Mais, le hasard a bien fait les choses et Philippe Varin lui a appris à refaire confiance à un homme, comme elle l'a indiqué dans les colonnes de Téléstar, ce lundi 23 janvier. En 2021, Ingrid Chauvin et Philippe Varin n'étaient pas des inconnus l'un envers l'autre. Un shooting photo a surtout été le théâtre de retrouvailles, plus que d'une première rencontre. Et pour cause, tous deux ont vécu un amour impossible il y a 20 ans. Se souvenant parfaitement de Philippe Varin, Ingrid Chauvin n'a pas eu du mal à ouvrir son cœur. J'aurais eu du mal à ouvrir la porte à quelqu'un que je ne connaissais pas. Là, je retrouve un amour perdu, ce que j'ai ressenti il y a 20 ans, et qui était resté intact au fond de moi sans que je ne le sache, a-t-elle expliqué à Téléstar. Ingrid Chauvin, son évolution physique. Ingrid Chauvin et Philippe réunis dans le sud comme s'ils ne s'étaient jamais quittés. Ingrid Chauvin et Philippe Varin ont redémarré leur histoire d'amour. Désormais, le couple vit ensemble à 7, avec Tom, le fils d'Ingrid Chauvin. De son côté, le photographe de profession reçoit également ses enfants, pour le plus grand bonheur de l'actrice de 51 ans. C'était mon rêve d'avoir une grande famille avec les enfants partout dans la maison. Malgré les différences d'âge, tout le monde s'entend bien. Si CST joyeux et vivant, se réjouit-elle auprès de nos confrères. Une vie familiale et amoureuse bien remplie, Ingrid Chauvin peut compter également sur ses projets professionnels pour être heureuse. Son quatrième livre, mais son premier roman, L'échappée belle, aux éditions Michel Lafon, sera disponible en librairie à partir du 26 janvier prochain. Crédit photo, Patrick Bernard.